Sonic. No, God! No, God, please, no! 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 Cherche l'embrouille, toi? D'où tu squattes mon bar? Tu te demandes qui je suis? Je sais pas si ça vaut vraiment le coup que je te raconte mon histoire. Bon, t'as l'air de t'intéresser, vas-y, assieds-toi, je vais te raconter d'où je viens. Mon nom est Gary, mais tout le monde m'appelle Exy. Je suis ce que l'on pourrait appeler un enfant qui n'a pas vraiment eu la meilleure éducation du monde. Mon père étant mort très jeune en service. Je ne veux pas de votre aide, monsieur. J'ai envie qu'on me rende mon mari. Je me suis rapidement tourné vers la rue où j'ai trouvé un refuge, notamment en faisant chier les amis de mon beau-père. Mais bon, forcément, ce soir-là, faut que les Condés soient de sortie et que, en plus, j'ai une conduite de merde. Et qui c'est qui finit chez les flics, du coup? Ben, c'est moi. Mais bon, avant de passer au trou, j'ai quand même le droit de passer un coup de fil. Je décide donc de contacter le numéro qui se trouve au dos du médaillon de mon père. Prends soin de cette médaille, Exy. D'accord? Richelieu non perforé? Votre plainte a été enregistrée et nous espérons que vous resterez un de nos clients fidèles. Ce qui étrangement me fait libérer de prison rapidement. Et c'est là que je fais la connaissance de Harry. Je m'appelle Harry Hart. Et je t'ai confié cette médaille. Ton père m'a sauvé la vie. Qui me paye une pinte en me racontant son aventure avec mon père. Vous étiez en poste, en Irak ou je sais pas où? Ma vraie exil, c'est confidentiel. Et forcément, c'est là que l'ami de mon putain de beau-père décide de se pointer et de faire le mariole. Mais heureusement, Harry a plus d'un tour dans son sac. Les manières des Félices. Le gentleman. Harry me propose un deal du coup. Rejoindre une organisation ultra secrète pour marcher dans les traces de mon père et devenir un agent de protection du bien et de la paix de l'humanité. Sur place, je fais la rencontre de Merlin, le responsable de la formation, qui nous explique que clairement, on ne va pas passer des vacances chez Kingsman. Dans un moment, vous allez chacun prendre un sac mortuaire et y écrire vos noms, prénoms, groupe sanguin, ainsi que les coordonnées des proches à prévenir en cas d'urgence. On nous formate tout. Survivre à l'imprévu? À des situations extrêmes? On nous fait même chanter pour voir si on va craquer. Ah, tu sais, Exy, tes deux amis ont répondu comme toi et ils sont passés sous un train. Merde! Et devinez quoi? On a même le droit de choisir un compagnon. Un carlin? C'est un bulldog, ça, non? Mais juste après, on nous demande de le tuer. Tire sur ton chien. Forcément, faut que ça soit l'épreuve finale. Et forcément, faut que ce putain de mignon de chien que j'ai nommé JB soit trop mignon à croquer. Et devinez quoi? Bah, j'ai échoué, je me fais recaler de Kingsman. Je déconne pas, je me retrouve même à retourner habiter chez ma daronne. Ah oui, au fait, je vous en ai pas parlé, mais en parallèle de mon entraînement, Harry se retrouve à essayer de démanteler les préparatifs diaboliques d'un méchant digne des plus grands James Bond. Mais... Voyez-vous, The Deaver pas la violence. C'est vrai, dès que je vois la moindre goutte de sang, je suis malade. Je dégueule. Voilà quoi. Mais sinon, il a un putain de plan. Genre prendre le contrôle des gens en les rendant très très énervés. Ce dont Harry va rapidement faire les frais en mission dans une église extrémiste des États-Unis. Et une fois que Harry a réussi à se libérer de ce merdier, Richmond débarque, et devinez quoi? Mais ça n'est pas ce genre de film d'espion. Oui, oui. Harry se fait buter, comme ça, en plein milieu du film. Et du coup, bah, toutes les fans de Colin Firth, elles vont devoir reposer leurs espoirs sur moi. Je te dis pas la grosse déception. Avec l'aide de Merlin et de Roxy, ma compagne de formation, on décide de finir le boulot, après avoir découvert que Kingsman avait été corrompu de l'intérieur par Richmond. J'ai compris ça. Une fois qu'il l'a expliqué,
J'ai rallié sa cause. Et sous une fausse identité, je me glisse à la fête de fin du monde de Valentine, pendant que Roxy me rejoint en parachute. Mais bon, vous commencez à me connaître, moi et la discrétion, c'est pas trop mon fort, donc je me fais rapidement repérer. Pas de geste brusque. Foiré, qu'est-ce que tu fous ici ? Et juste avant que je me fasse buter, Merlin trouve la faille du projet de Valentine, et réussit à me sortir de là, en grande pompe d'ailleurs. Je réussis à retrouver Valentine, mais avant de le tuer et d'en finir, je me retrouve à devoir faire face à sa garde du corps, genre Miss Oddjob avec des jambes aussi tranchantes que des lames de rasoir. Je la bute et je me fais Valentine, juste avant qu'il ne remette en route son plan diabolique. Et je me réserve une petite surprise pour fêter ma victoire. Vas-y. La vie d'un Kingsman. Si tu sauves le monde, on le fait par la quai. Sérieux? Ouais. Mais genre pour de vrai? Bah oui. Non mais t'es prêt à m'ouvrir ton petit trou d'amour? Oui. Et après, je peux faire des trucs avec, je peux inviter des potes, on fait des trucs dedans, enfin tu vois des... Ouais, bah c'est pas de la fête non plus. Mais hein. Moi j'aime bien quand il y a du monde en fait, ça m'inspire, ça me donne des envies. Puis vu qu'à Kingsman en plus, on est quand même très friand de ce genre de trucs, tu sais, on est beaucoup de mecs et puis là-bas on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer des gens, donc on aime bien profiter un peu, tu vois, vas-y, parler. Vas-y en fait, rencontrer... tu crains, casse-toi.